Salut à tous et bienvenue dans ce live Vilainous. C'est le dernier de l'année et je voulais terminer l'année de stream comme elle avait commencé puisque je pense que mon premier stream, voilà, je ne saurais plus si c'était chez nous ou je ne sais plus, mais je pense que c'est du Vilainous. Il y a de fortes chances. C'était aux côtés de Rofellos, ouais. Donc on vous a préparé un Vilainous spécial. Je suis Ariel la petite sirène. Alors, inutile que je vous montre ma belle jupe parce qu'elle serait transparente, parce qu'elle est verte. Mais sinon... C'est bien qu'on peut voir ce qu'il y a en dessous Non, je ne pense pas. Perdu. Ça va. Perdu. Celui-là toujours aussi. Hein. Non. Et donc, Lève-la peut-être pour qu'on voit si effectivement c'est. Ah oui, elle sera transparente. Ah oui. Voilà, c'est ma cape d'invisibilité. J'ai une grande jupe verte, mais vous verrez les photos. Je vous les partagerai. En tout cas, je voulais finir aussi avec Ariel. Tout simplement parce que Ariel, ce matin, je l'ai coloriée déjà. Tu sais que je fais mes petits live, voilà, culture, devoir de vacances, coloriage. Et du coup, on a colorié Ariel, on a chanté Ariel. Enfin, ce matin, c'était des chansons. Et en fait, Ariel, ça me parle beaucoup en cette fin d'année. Je voulais la jouer ce soir parce que j'avais ce petit Disney Bound qui était prêt. Et puis parce que Ariel, elle a perdu sa voix pour trouver l'amour. Et c'est vrai que cette année, on m'a un peu coupé la voix puisqu'on n'a pas beaucoup pu travailler. Mais ça m'a permis de faire du stream et de rencontrer cette communauté. Donc, c'était aussi du positif, finalement. Et si tu retrouvais ta voix tout de suite. Et on peut, alors, en introduisant. Je vais quand même introduire mon méchant parce que ça m'a rappelé notre tournoi. Ça m'a rappelé notre tournoi. Mais avant, on va présenter contre qui Ursula va jouer. Mais ça m'a rappelé notre petit tournoi. On avait cette petite habitude avec Rof. Ça me manquait un peu. Donc voilà, le retour du Disney Bound et de la présentation en chanson du méchant. Mais je ne vais pas chanter Ursula, donc c'est un peu con. Un Disney Bound qui m'a quand même coûté une fourchette. Hein. enfin, c'est pas une fourchette. J'ai ma Zirgouflex. Donc c'est vrai que je l'ai un petit peu détruite pour avoir une Zirgouflex. Voilà. Comme Ariel, donc il n'est pas content parce que j'ai cassé une Zergoflex. Mais en face, on va jouer l'agent Milton, c'est oui. Rof qui va le jouer. Je voudrais que vous envoyiez plein d'amour et que vous applaudissiez Sohan dans le chat, puisque c'est un deck fan-made et c'est Sohan qui l'a créé. Celui-là même qui avait créé le deck de Rof où il fallait bouffer des steaks hachés dégueulasses. Exactement. Et là, c'est l'agent Milton. Alors tu nous le présentes parce que du coup, tu as étudié le deck. Alors j'ai étudié le deck effectivement, l'agent Milton, donc déjà il vient de Red Dead Redemption 2 qui est un très bon jeu qui est sorti sur quasiment toutes les plateformes il y a quelques années maintenant, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et du coup ça se passe dans une période de Far West et c'est les mêmes mecs qui ont fait GTA. D'accord. Et donc c'est vraiment un monde ouvert où tu peux te balader sur ton cheval, aller dézinguer des mecs, etc. À part ce que je viens de dire là, je ne connais, tu connais pas du tout le jeu. Moi, je ne connaissais pas non plus. Je connais le jeu de réputation. Il a eu quand même eu 21 oui, sur 20 sur Jeu Actu, hein, dédicace à Maxime Chao, évidemment. Mais je n'ai jamais joué au jeu, et ni au premier d'ailleurs. Donc, mais j'avais déjà vu mon ancien coloc jouer au premier. Donc je sais à peu près comment ça se passe. Mais voilà. Excusez-nous pour la chaudière qui vient de se lancer. Oui. Je rappelle que nous sommes chez ma sœur sans internet depuis bientôt un mois, que ça ne risque pas de revenir tout de suite. Et en tout cas, si ça revient, ça sera recoupé. Donc on va faire ce qu'il faut pour retrouver un truc normal. Voilà. Alors, il vient de me dire, n'oubliez pas votre cadenas. Oui, il se trouve qu'en fait, on n'a pris qu'un seul cadenas. Malheureusement. Donc on va prendre ce bon vieux taille-crayon qui servira de cadenas. J'ai embarqué ce petit puits. Et je vois qu'il y a, j'ignorais moi qu'il fallait un cadenas, j'ai pas regardé de près le deck et en fait du coup il n'y a qu'un cadenas. Et j'ai emprunté également... Mais toi tu vas l'enlever ton cadenas à terme donc on l'enlèvera, ouais. Alors que moi je vais jouer en fait tout le temps c'est avec vrai, le cadenas donc je vais garder le vrai. J'ai pris une petite figurine, j'ai volé une petite figurine à mon beau-frère Xavier qui fait des Warhammer et qui représentera donc l'agent Milton. Exactement. Donc je commence par expliquer mon truc. Tu peux commencer bah oui parce que j'ai dans la chaudière moi, je vais pas chanter ma petite chanson sur la chaudière. C'est vrai, c'est... Ouais, ça te rappelle un peu la foule en délire tu vois. Non pas du tout, ça me rappelle les tréfonds de l'océan. Ouais. Alors l'agent Milton, son objectif c'est d'éliminer tous les héros sur son royaume. Ah d'accord. Ça veut pas dire tous les héros du royaume. Au début, je pensais que c'était ça. C'est vraiment, il faut qu'il n'y ait plus de héros là. Et bah, oui, c'est du Hop, coup ce gagné. Que t'as dit. Merci, au revoir. J'ai gagné, il n'y a plus d'héros. Ah, tous les héros de votre. De tous êtes dans la défausse. Il faut que je n'ai plus de héros ici. D'accord. D'accord. Peu importe s'ils sont encore dans le deck méchant, peu importe s'ils sont dans la défausse méchant. Ah oui, d'accord. Ou peu importe s'ils sont ici, on en reviendra. D'accord. Mais évidemment, pour ne pas gagner dès le tour 1, sinon ce serait un peu trop simple. Et oui. Il y a forcément un héros de base. D'accord. Qui s'appelle Dutch. Alors, excusez-moi si je. Dutch van der Linde. On va l'appeler comme ça. Et qui a quand même 7 de force. Ah oui, d'accord. Et qui dit. Donc voilà, donc c'est. Au moins, j'aurais au moins lui à éliminer, à moins qu'évidemment tu m'en fasses. Mais de toute façon, moi aussi, je vais vouloir en invoquer. À partir du moment où il est sur l'emplacement des héros éliminés, donc si jamais je l'élimine et que je le mets ici, à la place de le mettre dans la défausse, les interrogatoires, donc ce sont des cartes, on va y venir, sont réussis si le coût total des deux cartes révélées est supérieur ou égal à la force du héros choisi. Alors ça vous dit peut-être rien, mais en fait je vais vous montrer. Pendant que tu cherches, petite mention spéciale, c'est Sohan qui a crafté le deck et qui me l'a envoyé tel quel. Donc c'est lui qui a fait le plateau, c'est lui qui a imprimé, qui a mis les pochettes, j'ai reçu le deck comme ça, donc c'est le meilleur. Je cherchais les interrogatoires.
Donc voilà, ça va faire partie du jeu, ça va être important. Mm-hmm. Donc il y en a trois dans le jeu, trois événements qui disent choisissez un héros sur le lieu de votre figurine, donc il faut que je sois là où il y a un héros. D'accord. C'est le quoi? Le coup total, non. Non, puis révélez au hasard deux cartes de votre défausse méchant. D'accord. Donc la défausse du deck principal. D'accord. Si le coût total des deux cartes révélées est strictement supérieur à la force du héros en question, d'accord, débloquez le camp de la bande. Donc c'est l'interrogatoire qui va me permettre dans un premier temps de débloquer le lieu. De toute façon, je vais devoir en faire au moins un. De plus, vous pouvez immédiatement placer ce héros, donc le héros qui était en question, si jamais j'arrive donc à avoir des cartes supérieures, dans la défausse de cartes fatalité. Donc, okay. Pour mettre ça en exergue, on va prendre Lenny Summers, qui donc, si il est tout seul, et eh bien... de toute façon, c'est un tapis. Vous devez éliminer Lenny Summers avant les autres héros. Donc si jamais, mettons, j'ai ça, et que j'ai, on va dire, ça dans ma défausse... On appelle un tapis, ce qui était dans le deck de Jaffar, le tapis volant, et c'est la première fois qu'on avait rencontré une carte comme ça. C'est une carte qui dit, qui vous devez, taunt, en fait. Voilà, vous devez l'éliminer avant les autres héros, donc on a fini par appeler tous ces héros-là des tapis, mais... Donc là, si je faisais un interrogatoire, eh bien, je prendrais deux cartes au hasard, celle-ci d'accord. Et une mitrailleuse celle-ci. Maxime et un chapeau de la Pinkerton. J'ai de la chance, puisque 4 est strictement supérieur à 3, d'accord. Donc je battrai ce truc-là. Okay, l'interrogatoire, c'est comme ça. Mais il faut que je sois dessus. Et donc du coup, tu dois ici, faire... Ah, oui. Je fais l'action, et voilà. Et donc, tu peux éliminer Dutch van der Linde que quand le camp de la bande est déloqué, de toute façon. De toute façon. D'accord. Donc, de toute façon, il faudra que je tue quelqu'un d'autre... Avant. Enfin, il faudra que j'interroge, que je fasse un interrogatoire sur quelqu'un d'autre avant de... Et tu peux te faire des fatalités Je peux me faire, mais des fatalités, je vais y venir. Un petit peu comme crochet. Exactement. Je finis sur l'interrogatoire. Donc, en fait, ça va strictement supérieur, ce qui fait que si jamais j'avais eu ça, eh bien, du coup, je n'aurais pas réussi à faire l'interrogatoire de Lenny Summers. Ok. Parce que c'était pas strictement supérieur, 3. Mais si jamais j'avais le Dutch dans mes héros éliminés... La capa de Lenny ne s'applique pas aux interrogatoires. C'est vrai, mais de toute façon, d'accord, ok, très bien, pas de souci. Bon, mais de toute façon, c'était pour l'exemple, d'accord. J'en ai pris un au pif. Oui, d'accord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si jamais c'était lui, il est là, et bien dans ce cas-là, il faut que j'ai au moins 4. D'accord. Par contre, si lui est dans mes héros éliminés, alors à ce moment-là, je peux me permettre d'avoir 3. D'accord. Ce qu'il dit, en fait. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est bon. Les interrogatoires sont réussis si le coût total est supérieur ou égal. Ou égal. D'accord. Plus strictement supérieur. Exactement. Ok. Donc, ça, c'est l'interrogatoire qui va faire. On prend ton Lenny aussi. Je reprends mon Lenny. Alors, il y a une particularité sur ce jeu, c'est que je vais commencer la partie avec... Donc, non seulement j'ai le 2... C'était un gros fail. Non seulement j'ai lui tout ici, qui donc, en plus des cartes fatalité, mais j'ai aussi l'agent Ross, qui va être Ross Geller, mon allié, oui. Qui, comme vous le voyez, c'est un petit peu moche, parce qu'en fait, à la base... Parce que j'avais dit de le faire joliment, mais il ne l'a pas fait joliment. Bah, franchement, j'ai fait au mieux. J'ai essayé de remplacer un 3 par un 4. Quoi, je pense que j'ai une chanson d'amour pour lui après. Oh, ça viendra. Celui-là. Ça reviendra l'année prochaine. Donc j'ai. Il avait 3 de force et en fait on l'a transformé en 4. Voilà, il a bien 4. C'est Swan qui a dit ça. C'est Swan qui m'a donné la petite indication. Je me suis amusé à renforcer mes alliés. Donc lui, pareil, il commence directement sur Blackwater. Okay. D'accord. Et il dit une fois par tour, vous pouvez révéler la première carte de votre deck fatalité. Si c'est un héros, jouez-le sur le lieu de l'agent Ross. Donc potentiellement ici, si là, je le faisais maintenant. Si c'est un événement, défaussez-le. Et si vous le faites, effectuez une action disponible sur le lieu de l'agent Ross, sauf fatalité. Mm-hmm. Je pourrais en plus faire son action. Lorsque cet allié est défaussé, peu importe la raison, retirez-le définitivement du jeu, puis vous pouvez jouer une carte de votre main gratuitement. En gros, l'agent Ross va me servir pour me faire des fatalités à moi-même. D'accord. Pour pouvoir, si jamais toi tu m'en fais pas, avoir quand même des héros à interroger. Mm-hmm. D'accord. Mais par contre, si jamais il est détruit, donc si par exemple je m'en sers pour battre un héros, eh bien, je ne pourrai plus jamais l'utiliser. D'accord. Ok. Voilà. Je te laisse gérer ton deck. Hein. Oui, j'explique comment ça se passe. Et puis ensuite, bienvenue à tous, on va jouer Ursula contre l'agent Milton. Pour ceux qui n'ont pas eu la notif, n'oubliez pas de faire la petite cloche quand vous êtes sur ma chaîne et vous aurez les notifs Twitch comme ça. Parce que je crois que celle de Twitter n'a pas fonctionné sur le Discord. Mais n'hésitez pas à faire la petite cloche et vous serez averti quand il y a un live du coup en cours. Dernière chose à savoir, c'est que, parce qu'évidemment je ne vais pas dire toutes les cartes, je vais expliquer juste comment ça fonctionne. Le principe de ce deck est un peu bizarre, c'est que je vais commencer, donc ça c'est les particularités, mais je vais aussi prendre, je vais commencer avec 10 cartes au hasard, seulement 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ce sera mon deck. Et tout ça, ce sera ma fatalité. Ah d'accord. Pas ma fatalité, ma défausse. Ah d'accord. Donc de base, je commence avec... Tiens, prends ton... Ouais, non, c'est moi. Donc de base, je vais commencer avec, on va dire, un mini-deck de 10 cartes. Ok. Et quand j'arrive à la fin de ce deck-là, je ne peux pas piocher. Ah d'accord. Et tu joues qu'avec ta défausse ?
pour pouvoir récupérer des cartes, j'ai une action ici qui s'appelle. Alors attendez que je retrouve le nom exact, parce que j'ai le petit PDF de. C'est interroger, précision. Alors attends une petite seconde. Voilà, c'est là. Il est vide, blablabla. Voilà, c'est l'action renforcement. Donc l'action renforcement, elle est sur deux cases. Elle est ici et elle est là. Si jamais je fais l'action Elle n'est pas renforcement, recouvrable. je prends 5 cartes de ma défausse au hasard, je les regarde, j'en mets 3 en dessous de mon deck, et je remélange le reste dans ma défausse. Donc en fait, Tu joues un peu avec un pack. je joue avec un pack réduit. Le fait d'avoir des cartes dans ma défausse me permet quand même de faire directement des. Comment on appelle ça? Des interrogatoires, d'accord? Puisque du coup, je vais Tu pouvoir vas aller avoir les forcément avoir chercher. des trucs à révéler sur mon interrogatoire. Et ensuite, effectivement, il faut que j'aille là-dessus pour pouvoir mettre mes cartes en dessous. Maximum 3, hein, oui. Ouais, maximum 3, c'est Mais genre. tu peux faire un ou deux. Ah, d'accord, ok, très bien. Je pense. Très bien, très bien. Il y a un Voilà. petit sondage. Qui est votre poulain? Il y a Alixia qui demande est-ce qu'il faut prendre en compte ma chance légendaire? La chance légendaire de la reine. Je suis le poulain pour l'instant. Ils n'ont Alors. pas beaucoup voté, mais je vais rappeler un petit peu mon deck Ouais. avant de le présenter. Je présente pas tellement mon deck en chanson parce que c'est pas une chanson d'Ursula. C'est aussi parce que tu as participé à mon petit cadeau des viewers. Ça m'a beaucoup touchée. Alors j'ai une chanson d'amour, la chanson d'Ariel. Eh bien, je t'écoute. Je vais la faire. Je rappelle Ursula très rapidement. Ursula, on la connaît bien, on l'a déjà jouée. Alors c'est pas celle qu'on a le plus joué parce que c'est un deck qu'on n'estime pas être dans les decks les plus qui roulent le mieux. Ah bah c'est même top 3 des plus nuls, hein. Je pense Voilà. qu'on peut le dire. Non, pas d'accord, on va le dire. C'est pas un deck excellent, notamment parce qu'en fait il va être très long, va reposer sur pas mal Alors il va falloir aller chercher deux objets, la couronne et le trident, et on doit les amener dans le repaire d'Ursula, et on a gagné à partir du moment où on commence notre tour avec trident et couronne dans le repaire. Mais évidemment, eh bien, il va falloir jouer avec ce petit cadenas, puisque j'ai un lieu qui est loqué, et en fait je peux déplacer le cadenas du repaire au palais, mais il y en a toujours un des deux qui est loqué. Donc déjà, je joue avec trois lieux. Avec une carte particulière, hein. Elle ne peut pas faire ça tout le temps. Avec une carte particulière, bien sûr. Donc je joue avec seulement trois lieux, je dois mettre mes deux objets, et évidemment, j'ai des fatalités qui me défoncent littéralement, puisque notamment si cette chère Ben, c'est Ariel réel, hein. sort, elle pique un objet et elle vous Sans Ariel. empêche de déplacer des objets, et en plus, il y a trois apparences retrouvées qui vous font revenir Ariel. Enfin, bref. En vrai, sans Ariel, le jeu serait pas J'ai mauvais. ma Zirgouflex. Il serait pas extraordinaire, mais il serait pas mauvais. On pense Et moi, j'aimais qu'effectivement, bien le jouer, notamment. j'aime bien le jouer. Alors la mécanique est sympa, mais effectivement, tu disais une fois que peut-être s'il pouvait apporter une modif, qui serait de nerfer peut-être Ouais, Ariel, faudrait nerfer Ariel. parce qu'en fait, ça casse un peu tout. En fait, c'est un des rares jeux qui peut être totalement locké. C'est-à-dire que tu peux très bien n'avoir plus aucune chance de victoire. C'est vrai. Ce qui est assez rare normalement, parce que même si parfois ça va être un peu difficile, tu vas quand même pouvoir te débrouiller, quoi. Là, tu peux très bien avoir Ariel, Et revenir de l'enfer, faire que quoi. tu n'aies pas le choix, il faut que tu tues Ariel pour pouvoir C'est ça, avancer. c'est ça. Mais quand tu tues Ariel, eh bien, Elle le gars, il revient. peut te la faire revenir très facilement. Exactement. Et ainsi de suite, et du coup, ne jamais pouvoir gagner. Exactement. Et la petite particularité, nous, qu'on avait trouvé très sympa, c'est que Ursula n'a que deux alliés, qui sont Flotsam et Jetsam, mais elle n'a pas l'action se battre, et ses alliés n'iront jamais au combat pour elle. En fait, comment elle se débarrasse des héros? Elle va leur mettre des pactes dessus, elle va signer des pactes avec eux. Et donc, le but, c'est de jouer un pacte qui est lié à un lieu, en fait. Vous ne pouvez pas jouer le pacte du lieu sur le lieu en question, donc vous pouvez jouer, par exemple, le pacte du rivage partout sauf sur le rivage. Et ensuite, vous pouvez déplacer les héros sur le rivage, et à ce moment-là, quand le héros qui porte le pacte du lieu arrive sur le lieu, le héros est éliminé. Tout à fait, j'essaie de Voilà. montrer Oui, bien sûr. l'exemple. Donc voilà, maintenant si Sébastien est là, on veut le tuer, eh bien on peut mettre un pacte. Tiens, j'en ai un au pif, c'est lequel? C'est le prince Eric, donc tu Ouais, peux y aller. perdu. Donc. Non, si, Ah c'est oui, bon. c'est Le ça, dis navire donc. du prince Bon, du Eric. coup, on devra payer 2 pour attacher ce pacte Voilà. à Sébastien. Et ensuite, avec une action qui consistait à Déplacer un déplacer un héros. héros, alors soit ici, soit avec des cartes que tu as dans le jeu, on le met là, et là le pacte est fait, donc du coup, on Comme va le pacte pouvoir arrive sur son lieu, il tuer le pacte et saute. Sébastien. Et Sébastien avec. Voilà. Ce sont ses petites particularités. Elle va avoir des cartes qui vont lui permettre aussi de faire des actions sur des lieux qui sont loqués, etc., etc. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est bien de le jouer aussi contre un deck fan-made parce que voilà, au moins le deck fan-made va pouvoir se développer, faire des choses et pas tomber sur un deck qu'il aurait peut-être bouffé ou voilà. On sait qu'il y a des petits Donc on déséquilibres aura le temps de dans. voir un petit peu comment Vas-y, ça tu peux fonctionne. Donc reposer je parce mets que ça c'est toi là. qui vas. Voilà. Ça va si je te mets ça comme C'est pour toi ça. en fait, donc tu peux le mettre où tu veux.
Et moi, du coup, je mets mon deck ici. Parce Enfin, que ta j'aurais bien fatalité montré est votre là. deck. Ouais, je vais mettre mon deck là. Très bien, comme Comme ça on ça, les peut le gens le lire. verront bien. Et au pire, mets ma fata ici. Voilà. Allez. Let's go. Donc, moi, j'ai fait ma Le préparation. vote du peuple déçoit beaucoup Sohan. Voilà, parce que je suis loin devant. J'ai peur que ce soit vous qui soyez déçus, mes chers, parce que là. Après, Swan avait fait un premier deck rough assez lent. Oui. Peut-être que là, du coup, il a fait en Il a sorte que ce soit un décidé. peu plus Alors, rapide. Swan aime bien les decks lents. Après, forcément, les decks lents, ça veut dire aussi que le chemin pour pouvoir arriver au but est un peu plus. Enfin, Absolument. comment on appelle ça? Un peu plus complexe. Et donc, C'est du coup, c'est vrai. peut-être plus intéressant quand tu builds un jeu de dire, alors, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, C'est ce que plutôt que de Swan aime dire, bien. il faut faire juste ça et t'as gagné, quoi. Et de toute façon, je trouve ça très agréable de retrouver aussi l'esprit du créateur dans le Oui. deck fan-made. Donc voilà. Je te présente mon Là, petit pack après. on Vas-y. voit qu'en gros, ce deck-là, ce qu'il va falloir faire, c'est révéler un héros, tuer ce héros avec un. Je vais y arriver, un interrogatoire. Du coup, ça déloque ce truc-là. Ouais. Et ensuite, tout faire pour tuer ce mec-là. Ok. Et ça, en gros, c'est le minimum. Et du coup, moi, j'ai pas d'intérêt à te fatalité alors. Alors, toi, au tout début, non. D'accord. Parce que Je je vais vais révéler des. vouloir, moi, avoir des trucs machin. Mais Et une en plus, t'as un fois. mec qui est déjà sur le terrain, quoi. Oui, mais si je l'utilise. Enfin, justement, il me sert un petit peu pour aller chercher les héros. D'accord. Et j'ai pas forcément l'utiliser pour Ah oui, taper. pour se battre. D'accord, En tout cas, d'accord. pas tout de suite. Qu'est-ce que je disais? Donc, je pense qu'il est un peu comme Crochet. C'est-à-dire qu'au début, tu veux pas lui en faire pour Oui. pas l'arranger. D'accord? Exactement. Parce Et qu'il a... après, une fois Et une que. fois qu'il a résolu son effet, donc qui est de retirer son cadenas, Ouais. là, tu peux me faire chier à Et du l'infini. coup, plus avoir de héros, tu gagnes au moment où il n'y a plus d'héros sur ton plateau? Il faut croire que je suis même pas obligé d'attendre le début de mon Oui, mais tour. il ne faut pas qu'il y en ait sur le plateau. Ils sont. Ou il faut les mettre Faut là. pas qu'il y en ait sur le plateau. Pourquoi il y a écrit héros éliminés là? Parce que c'est un truc qui permet j'ai un truc qui permet d'éliminer les héros plutôt que de les mettre dans la défausse. Donc à partir du moment où tu n'as plus de héros, c'est rapide, non? Donc comme je disais, Je ce pense. truc-là est bloqué. Il faut Oui, je d'abord sais, que tu dois j'invoque le un héros, débloquer, tout que ça, j'ai je tue suivi. un héros, que je le fasse avec l'interrogatoire, et D'accord. ensuite que je tue ça, sans D'accord. compter tous les héros que tu m'auras Que je mis peux à part. mettre Enfin, entre-temps. voilà. D'accord. Donc. Donc en fait, effectivement, je ne fais pas de fata avant que toi t'aies trouvé ton premier héros. Mais à partir du moment où tu vas t'occuper plus de lui, là, autant t'en mettre. Bon, moi, à partir du moment où j'ai fait le. En fait, à partir du moment où j'ai un héros sur le board, D'accord. tu peux commencer à spammer. D'accord, Je pense, hein. parfait. Alors je vais spammer. J'ai l'impression. Alors, Je vais me voilà. défendre comme je peux, hein. De toute façon, tu vas défendre comme tu peux, et puis bah, comme tu as que trois cases, tu peux faire qu'une fatalité par tous les C'est deux tours. vrai, c'est Après, vrai. t'es obligé de full focus et C'est fatalité. vrai, c'est vrai. Je sais plus Donc. trop comment jouer celui-là. On est là pour s'amuser, on est là pour être dans l'amour, comme toujours. Très bien. Merci à tous ceux qui sont là, qui suivent ce live Vilainous, et on va commencer. Alors, moi, on m'a vendu une chanson que je n'ai toujours Je vais pas te faire ta eue. petite chanson. Alors, je ne commencerai pas avant d'avoir ma petite chanson. Alors, petite chanson d'Ariel. Mon seul désir, vivre à tes côtés. Mon seul espoir, rester là près de toi. Te regarder me sourire, tendre les bras. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence pour toi et moi. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi je Je l'aime, mais sais pas bon. pourquoi, mais ça fait du temps. Du coup, Mais bah. je suis prête à l'aimer quand même, voilà. Voilà. Oh, elle est belle cette Elle est chanson, très belle, hein. cette Elle est petite belle chanson. cette chanson. On aime Ariel Elle est très belle. et Ariel me porte là en ce Si moment. tu l'aimes beaucoup, je vais essayer de te la trouver très vite. Oui, Tu alors vas ce voir, matin tu quand j'ai vas. colorié Ariel, Swan m'a dit c'est quand même un petit peu ironique, non? Tu appelles le mauvais sort, et vous, je sais plus trop quoi, donc c'était très sympa. Merci, vous êtes des amours. Voilà, tout ceci se fait dans l'amour, hein. J'adore chanter avec vous. Et voilà, c'est fait. Allez, on est parti. Nous sommes La petite partis. chanson d'Ariel. Ariel, je l'ai Écoute, chantée ce matin donc. encore dans mon live. Je crois que c'est le Disney où j'aime le plus chanter les chansons. Je trouve très mélodieuse, très sympa. Voilà. Ben, quel Disney je n'aime pas chanter, je ne Non, sais mais pas. oui, c'est ça, il y en a Je ne beaucoup. sais pas, je ne Mais sais en pas. tout cas, oui, c'est ça qui est sympa. C'est Bon. 4 cartes, hein, à Vilainous. C'est 4 cartes à Qu'est-ce que Vilainous. Moi, j'ai donc mis mes 10 cartes au hasard. Oui. 20 dans ma défausse. J'en D'accord. pioche 4 et c'est parti. Bon. Dame de cœur, à vous l'honneur. Hein. Non, Commence si tu veux. C'est quoi ces trucs de Je prends merde? une soupie. Ah, Sohan, il est dans le truc. Hein, là. Il est à fond. Les autres, ils sont en train de m'envoyer des cœurs et des compliments. La pile des héros éliminés, c'est au cas où. Alors, au cas où je ferais beaucoup de fatalités, Par que conséquent, la par défausse, ouais. conséquent, la défausse fatalité est Ouais. remélangée pour pas te reprendre l'héros déjà éliminé. D'accord, ça me regarde pas ma main, toi. Celui-là. Alors, on y va. Moi, je vais plutôt aller.
Oui, alors du coup, ça, c'est un petit peu. Moi, j'ai un petit peu oublié, tu vois, dans quel ordre fallait faire les choses, qu'est-ce qui était le plus intelligent de faire et tout ça, j'ai un petit peu zappé. Mais enfin, ce qu'on va faire, on va venir ici. Je pense, là. Je vais gagner 3. Je vais défausser tout. Quasi tout. Non, tu sais quoi, je vais. Ah, mais attends, oui, d'accord. Toi, t'as une pièce d'avance, tu la prise. Du Ok, je coup, il y a défausse ça, Beston vas-y. qui va faire des cadeaux Oh, qui Beston, arrive du là. coup. Et il y a un nouveau sub. Merci, Beston, d'avoir sub R, c'est Ça, très il est cool, il y a un gentil. sub. C'est mon Saint-Nicolas, il me. Voilà, j'allais dire une Il nous connerie. régale. Oui, mais j'allais dire un peu beaucoup de bien, mais du coup, en fait, bof, quoi, tu vois. Ok. Il est très gentil. Il est très sympa. Faut que je lui réponde d'ailleurs. Faut que je lui réponde d'ailleurs. Il m'a envoyé Tu un vas lui message. répondre, parce qu'on le connaît un peu, Beston. Merci, merci Beston, t'es un amour, merci pour tout ce que tu fais pour la chaîne et de la soutenir comme ça, et voilà. Eh bien c'est à toi mon cher, parce que j'ai repris une main. Impeccable. Donc, Je sais pas si moi, c'est peccable, mais alors ça c'est vous une êtes fois deux par tour, donc peccables. je peux le faire quand je veux. Là en gros, alors oui, l'avantage aussi qu'a ce deck, c'est que regarde, j'ai à chaque fois 5 fatalités. Il aime bien 5 fatalités, 5 actions. Il aime bien mettre plein d'actions, Swan. Tu D'accord. te rappelles, le deck Rof avait genre Oui, 6 j'avais dit que actions. je nous ferais des cupcakes, j'ai oublié, pour Ouais, ce mais dernier live ça de fait deux l'année. fois. Ça fait deux À la fois. troisième, c'est le divorce, tout simplement. qui vient me chanter une chanson d'amour. J'ai pas mes cupcakes. Qu'est-ce que je veux dire? Donc moi, je vais déplacer ma petite figurine ici, puisqu'il m'a mis une case boost, il régale. Ah ça, et t'as écouté, hein. Et du Elle est même coup, plus que casse boost. ouais, elle est case boost plus le fait de Ouais. pouvoir se décaler. Est-ce que j'ai vraiment Alors envie les de lieux, c'est décaler? Qu'est-ce que j'ai pas Blackwater, décalé tout? Saint-Denis, Hansburg et Camp de la Bande. Alors ceux qui connaissent le jeu, ça vous parle. Moi, Saint-Denis, je connais, mais c'est pas forcément trop dans l'esprit Red Dead. Mais non. Donc ça, c'est bon. Mais c'est dans Ensuite, l'esprit soldat armé presque, tu vois, maintenant aujourd'hui. Saint-Denis, c'est un peu. j'ai donc fait mes trois et je vais faire ce truc là maintenant. Ok. Une fois, pardon, donc je peux révéler la première carte fatalité qui est là-bas. Ok. En fait, c'est vraiment mieux si je pense Ah qu'en oui, fait, parce que toi, t'as besoin de ta fatalité. je vais Alors vas-y. beaucoup. Et tu vas pas trop me fatalité, moi, donc Non, je suis sympa. voilà. Donc on y va. T'as pas besoin. Après, en vrai, j'ai pas trop le choix malheureusement parce que Swan m'a mis deux fatalités sur des lieux qui sont pas couverts au début, donc de toute façon, je n'aurais pas le choix. Peut-être Swan, enfin, généralement, quand il y a une case fatalité, il y a une case qui est loquée, Ouais. la deuxième fatalité est dessus, Ah pour oui. éviter que tu passes ton C'est temps à vrai. faire ça, je pense. Mais sinon, ça va très bien. Donc, du coup, j'ai fait ça. Je vais révéler Du donc coup, une. toi, t'as... il aurait peut-être dû mettre la fatale là, alors. C'est ce que je viens de dire. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Il est pas là. Oui. Oui, C'est j'aurais parti. aussi mis la fatale Et bah. recouverte comme celle-ci et comme même Blanche-Neige. Ouais. Le fameux Lenny Summers. Donc, Il vous est là. devez éliminer Lenny Summers avant les autres héros. Je vais donc le mettre. Je vais le mettre, je vais le mettre. Alors, attends, c'est quoi le bail pour faire des. Alors, là, je peux Ouais, regarder parce mes que du coup, boss. même avec un lieu loqué, je peux me prendre une fatale un tour sur deux, en fait. Interrogateur. Choisissez un héros sur le lieu de votre figurine, puis révélez au hasard deux cartes de votre défausse méchant. Donc, il faut que je sois sur le lieu de cette figurine. Ok. D'accord. Je regarde combien j'ai de. En fait, je peux faire ma petite proba puisque je sais que j'ai trois interrogatoires dans le jeu et qu'il y en a deux dans ma défausse. Donc du coup, ça veut dire qu'il m'en reste un ici. Je vais tenter de l'avoir au prochain tour. Donc je vais mettre le. Il est où? Je vais mettre le Lenny Summer ici. De façon à pouvoir peut-être le battre au prochain tour. Grâce à ça. En plus, c'est bien parce que c'est un des héros qui a le moins de force. Donc du coup, je vais pouvoir réussir plus facilement mon interrogatoire. Donc ça, c'est bon. Merci Titou Ensuite. pour ton follow. Si tu restes sur la chaîne, bienvenue. Je dis ça parce que c'est notre parfait. Ils restent pas après, en fait, les gens. Ils voient qu'ils doivent attendre 10 minutes avant de dire une bêtise. Mais ça, c'est un pseudo mignon. Titou Yoda. Alors, ce que c'est à Ce défausser. pseudo est trop chaud. T'aurais pu Okay. déplacer Ross, il dit. Oui, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, tu joues. Le but aussi, c'est qu'il le joue, Sohan, alors du coup. Effectuer une action disponible sur le lieu de l'agent Ross, sauf fatalité. Ah oui, c'est vrai. En fait, je peux faire une des actions qui est là. Ouais. Mais du coup, ça tombe bien, je vais faire l'action qui est ici. Mais par contre, attends. Donc, jouez-le sur l'agent Ross. C'est un événement défaussé, ok? Si vous le faites, effectuez une action disponible sur le lieu de l'agent Ross, sauf fatalité. Lorsque cet allié est défaussé, peu importe la raison, retirez une figurine du jeu. Puis vous pouvez. Ok, donc ça, c'est bon. Mais du coup, moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire ce truc-là, là, pour pouvoir remettre des. Pouvoir remettre. Quoique, je sais que j'en ai au moins un dans le jeu. Je réfléchis. Parce que du coup, ça m'empêche effectivement de faire quelque chose.
si je le décale. Mais est-ce que j'ai le droit, si je le décale ici, de refaire un truc à 3? Je sais pas. Est-ce que ça s'appelle une... Oui, ça, c'est bon, je pense qu'on l'avait, on l'avait déjà fait ça. En gros, c'est... Effectuer une action disponible sur l'île de l'agent Ross, sauf fatalité. Alors, mon cher Sohan, je comprends pas un truc. Donc, si c'est un héros, je le joue sur le lieu. Ouais. Si c'est un événement, je le défausse. Et il y a marqué, si vous le faites, effectuez une action si disponible... Si tu as défaussé l'événement. C'est ça, donc si jamais j'ai mis un héros, je ne fais pas. Non, effectivement. Parce qu'en fait, c'est pas dans la même phrase. C'est une phrase et une troisième phrase. Donc on pourrait éventuellement croire que c'est ça. Mais bon, a priori, je vais le... Je dois mettre sur le lieu de Ross, d'accord, pas de problème. D'accord, je dois mettre sur le lieu de Ross, donc oui, j'avais pas le choix. Ok, très bien. Bon, excusez-nous, on apprend un petit peu aussi à jouer le pack. Tu fais l'action bonus dans tous les cas. Ah, dans tous les cas, ah oui, d'accord. Donc il faudrait peut-être le rédiger alors. C'est ça. Effectuer une action disponible, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, il a pas le choix. On comprend que c'est si tu défausses l'événement que tu le fais. Mais surtout, en fait, j'ai pas le choix. Soit c'est un héros, je le joue, soit c'est un événement et je le défausse. Mais faudrait pas enlever le si vous le faites alors. Faut enlever c'est le si vous le faites. Effectuer une action disponible. Puis effectuer, ouais. Une action disponible sur l'île de l'agent. Du coup... Alors, ce que tu aurais pu faire, en fait, c'est le déplacer là. Le déplacer. Voilà. Donc, ma question, c'est, est-ce que, si j'ai déjà pris les trois, ça reste une action disponible? Oui, on l'a déjà fait plein de fois. On l'a fait même dans Evil Donc, Queen. Du coup, en fait, ce que j'aurais fait... Disponible, c'est-à-dire pas recouvert. Dans un premier temps, je décale l'agent Ross. Puis, je décide de faire donc ce truc-là. Je l'aurais mis ici. Ah oui, okay. Mais du coup, j'aurais dû défausser avant. Alors, vas-y. Eh bien, c'est pas grave, je défausse avant. Tu défausses avant. Donc, dans l'ordre. Il a décidé d'aller sur Saint-Denis. Il arrive sur Saint-Denis, il défausse. Est-ce que tu vas jouer deux cartes? Ouais, je peux jouer une carte fusil, c'est gratuit. Il va jouer un fusil. Attends, je vais même faire mieux que ça. Je vais prendre un agent de la Pinkerton 1. D'accord. Que je vais mettre, je sais pas, ici. Pour deux. C'est pour deux. Lorsque tu allais défausser lors d'une action, éliminer un héros, gagner deux jetons de pouvoir. D'accord. Donc ça m'a coûté deux. Donc en fait, je refais mon tour. J'arrive ici, je gagne trois. Mm-hmm. J'utilise deux pour jouer ça. Avec cette action-là. Yes. D'accord. Ensuite, j'utilise cette carte qui me permet de faire un fusil sur l'agent. D'accord. Donc l'agent aura de la Pinkerton. Un de plus. Mm-hmm. J'aurais pu aussi déplacer un héros, mais peu importe. Je ne l'ai pas fait. Ok. Ensuite, je vais défausser les deux cartes qui me restent. J'ai tapé que je l'ai tout défaussé sauf mon ça, là. Regarde pas. Oui. Donc j'ai une carte de plus. J'ai donc les deux cartes qui me restent. Je vais ensuite décaler l'agent Ross. Puis j'aurais fait l'action de l'agent Ross pour pouvoir recouvrir ce truc-là. Tout à fait. Voilà. Et du coup, j'aurais pu refaire le 3. Normalement, oui. En fait, tu as déplacé l'agent Ross. Donc tu as fait l'action de l'agent Ross qui a mis les nids ici. Et tu reprends 3. Puisque les 3, il est disponible en fait. Voilà. Et bah écoute, j'ai fait tout mon tour à toi. Très bien. Alors, j'y vais. Moi, c'est compliqué. Hein. Je vais jouer, je vais gagner 1. Et du coup, pour 4, je joue un trident. Voilà. Il est là. Je le joue ici. Non, parce que tu fais l'action bonus uniquement si tu révèles la première carte de ta fata. Oui, mais du coup, si tu mets puis, on comprend qu'il faut d'abord que tu fasses ce truc-là, puis après le reste. Mais je vois ce que tu veux, je vois ce que tu voulais dire. Tu as dit si vous le faites, parce que tu peux très bien ne pas le faire. Ah oui, d'accord. C'est des détails, hein, mais c'est juste effectivement au niveau compréhension, on pourrait comprendre que c'est uniquement la deuxième phrase. C'est chiant un peu ça quand même. Je pense. Bon, déjà, je te fais une fatalité, c'est ça? Ouais. Il y a deux événements comme par hasard. Bah, montre-les. Alors, déplacer un héros depuis un lieu non bloqué vers un lieu voisin non bloqué. Donc, tu peux bouger ce héros. Oui. Ou alors, donc ça s'appelle j'ai un plan, ou alors il y a hors la loi jusqu'à la mort, défausser un allié ayant une force de 2 ou moins sur un lieu où se trouve au moins un héros. Bah du coup perdu. Ça sera pas ça. Donc j'ai un plan, je vais mettre Lenny Summers ici. Ok. Je sais pas si c'est bien. Bah en fait, c'est vraiment que t'as pas le choix. C'est hein. Nul. T'as le choix de pas les jouer ou pas? Je sais pas. Je vais défausser... Attends, du coup je dois aller chercher Triton moi. T'en bouge pas. Chercher immédiatement le roi Triton. Il est où celui-là? Ah bah il est sûrement pas dans mon pack méchant, excusez-moi Jordan. Je cherche Triton dans mon pack. Triton, il est ici. Je vais donc le jouer là et lui associer le trident. Voilà. Je remélange. Je vais défausser ma main. Je vais défausser ça et vas-y. Ok, moi je vais. Je vais... Déjà... Mm-hmm. Si tu me le permets. Bien sûr. Puisqu'en fait, j'ai pas lu toutes les cartes. Mais je t'en prie.
faire une condition. À mon tour. C'est trop tard. Parce que mon tour a commencé. Cette carte jouable pendant le tour de l'adversaire. Non, cette carte est jouable donc si. S'il vous cible avec une action fatalité. Donc ce que j'ai fait. Puisque je t'ai fait, j'ai un plan. Il y a une petite coquille au niveau de la. Cette carte est jouable. Ouais, ah oui, il faut rajouter EST. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il vous cible avec une action fatalité. Ok. Révèle la première carte de son fatalité, joue-la immédiatement. Ça se fait pas. Ça ne se fait pas, et pourtant. Une bigette. Oh oui, que oh, bah, zut. Je vais pouvoir associer à un héros. Mais aussi, du coup, quand je t'ai fait la fata, j'avais déjà mis ce machin. D'accord. Tu sauras que j'ai pauvre fou. Mais du coup, ça coûte quand même 3 jetons de plus pour mettre un pacte, sachant que lui, Triton, fait déjà coûter un de plus les pactes et événements, tu vois. Ouais. Compliqué. Hein. Donc c'est 4 de plus pour mettre un pacte sur papy déjà. Tiens, baisse un petit peu peut-être. Je vais m'amuser, moi. Je vais m'amuser. On a un petit peu de place. Donc je vais m'amuser. Ensuite, je vais donc du coup. Donc, c'était à donc ton ça, c'est ton tour. À mon tour. Je vais À mon tour. Je vais faire un interrogatoire. Oui. Ça me coûte 2. Je choisis un héros sur le lieu de votre figurine, ce qui est le cas. Et je révèle au hasard 2 cartes de ma défausse méchant. Donc il faut que ce soit supérieur, ok? Salut Camille Jess, bon, ça, alors il va y avoir pas mal de petits départs, je suis désolée, je vais souhaiter beaucoup la bonne année. Camille Jess, parce que vous êtes nombreux à commencer à aller en cuisine ou à aller vous préparer ou à partir pour aller rejoindre peut-être vos proches avant le couvre-feu, eh bien elle nous dit bonne chance que le meilleur gagne, bon réveillon à tous et une merveilleuse année, soyez optimistes toujours, bonne année Camille Jess et merci de m'avoir suivi pendant toute cette année, t'es un amour. C'est fait, je l'aime. Bonne année à toi. Je vais donc prendre 2 cartes au hasard. La première, ce sera un truc à 0, donc c'est très très mal parti. Rencontre avec Cornwall. Puisque du coup, il me faut forcément un truc à 4. Donc, je n'ai pas réussi à faire mon interrogatoire. Eh bien, c'est bien fait. C'est bien fait pour moi. Du coup, l'interrogatoire va dans ma défausse. Et je vais utiliser... Je vais utiliser cette action pour pouvoir donc prendre 2 cartes. Ce sera... attends, est-ce que je vais pouvoir me défausser cette carte, là? Je vais pas pouvoir me défausser cette carte, ce tour-ci. Aïe. Du coup, je vais prendre... Ça va bien, alors, je vais prendre un interrogatoire, et je vais prendre un truc à 0, je pense. Mettre un truc à 0... Mais non, je suis bête, je peux pas faire ça. Non. C'est pas comme ça qu'on fait. J'allais choisir ce que je voulais. Donc, l'interrogatoire, il est dans ma défausse. Je vais faire ce truc-là. En fait, je mélange ce jeu. Je prends 5 cartes au hasard, excuse-moi. Et ensuite, parmi ces 5, je peux choisir. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, parmi les 5, j'ai... Est-ce que j'ai récupéré... Alors, j'ai pas récupéré l'interrogatoire, ça va être un peu pénible. Est-ce que je... Oui, je peux mettre jusqu'à, c'est ça? Donc, est-ce que c'est intéressant? J'ai 2 pauvres fous... J'ai le chapeau qui me permet d'avoir une action en plus. Et j'ai un allié. Je crois que je vais rien mettre. Si, bah si, il faudrait que je retire des cartes. En fait, il faudrait que je retire les 2 conditions. De façon à ce qui est moins, que j'ai moins de chance. Non, je vais rien faire. Et il te dit, n'hésite pas à utiliser l'action renforcement pour vider ta défausse des cartes à 0. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que comme je le mets en dessous de mon deck... Et que là, je sais que dans mon deck, je n'ai plus d'interrogatoire. Mm. Il faut d'abord que je mette un interrogatoire, sinon ça ne sert à rien de mettre des cartes que je vais piocher avant. C'est vrai. Donc, je ne fais rien. C'est à moi. Non, parce que j'ai quand même... Toi, tu fais un peu trop de fatalité comme sur tu t'es ce pack. Hein. À mon avis, Hansburg, là, ça ne devrait pas être là. Hein. Ouais, je pense que ça peut être... Bah, parce que là, je vais me prendre la mort, en fait. Je vais jamais jouer là. C'est parti pour le show. La fatalité. Après, c'est la première fatalité que... Bah non, tu m'as fait une bigette. Mais que je... L'action fatalité que j'ai fait. Tu m'as fait une bigette. Soit je fais un... Prenez le pacte d'un autre héros et associez le Sébastien à la place. Mm-hmm. Pas forcément... Bah de toute façon, il n'y a pas. Et soit déplacer un héros vers un lieu non bloqué de votre choix. Mm-hmm. Je pense que si tu l'as mis là... Je vais mettre lui ici. Ouais. Non, c'est bête. Je vais mettre lui ici et je vais mettre Eric là. D'accord. Voilà. Et Sébastien, du coup, je le prends pas. Il reste dans ta défausse. C'est à toi de jouer. Ça. Ah non, 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 putain, j'ai pas fait. Pardon. Mais quand est-ce que c'est à moi de jouer? J'ai pas fait à Jean Ross. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Salut Milo!
Si l'avantage, c'est qu'en fait, si je fais l'agent Ross, je vais pouvoir gagner 3. Ça, c'est pas rien. Je vais faire l'agent Ross. C'est Shooty Too Yoda, merci, bienvenue à toi. Et ça tombe très bien, du coup, parce que c'est un événement. Du coup, je le défausse et je gagne 3. À toi. Ok. Alors, du coup, moi, je gagne 3. Je vais dépenser 2, parce qu'à cause de Triton, ça me coûte 2. Pour faire un tourbillon, et je vais déplacer celui-là ici. Voilà. Du coup, Ça, c'était à ton tour, ça? Comment t'as autant de thunes, en fait? Parce que grâce à mon agent Ross, Alors, excuse-moi, j'avais une c'est gagné. illusion Ah, trop tard. que j'avais gardée exprès. C'est quoi? Illusion. Comme tu as 6 jetons pouvoir, je te fais la première carte de ta fata, je la joue. Ok. J'ai Océa Matthews. La force de tous les alliés qui se trouvent sur le lieu d'Océa Matthews est réduite de 1. D'accord. On va la mettre là. Ok. Voilà. Ensuite, je peux défausser. Et en fait, comme quand tous mes événements me coûtent plus cher, ça sert à rien. Je vais défausser opportunisme et colère titanesque. Voilà. Je défausse tout. Et je reprends 4 cartes et c'est à toi. Alors, c'est à moi. Je vais aller ici. Je vais gagner 3. Ensuite, je vais... Je suis pauvre comme. Attends, si, j'ai une pièce normalement. J'ai dit j'ai gagné 3 et j'ai payé 2 pour faire un tourbillon, donc j'ai 1. Effectuer une action disponible sur un lieu où se trouve au moins un allié. En soi, en fait, il faut absolument que je mette un allié là-bas. Du coup, je vais mettre un allié qui s'appelle l'agent de la Pink. Alors, je vais mettre lequel? Parce qu'en fait, il y a quatre agents différents de la Ah, ils sont 4. Pinkerton. De l'agence Pinkerton, tu connais? C'était une agence un peu connue à l'époque, justement, à cette époque-là, de détective. D'accord. Eh bien, il y en a quatre différents. Sont en deux exemplaires à chaque fois. Ils coûtent deux. Ils ont deux en force. C'est vraiment D'accord. tes alliés principaux, on va dire. D'accord. Et ils ont tous un petit bonus quand ils sont éliminés. D'accord. Là, c'est défausser une action éliminée un héros. Vous pouvez choisir une carte de votre défausse fatalité et la placer sur le dessus de votre deck fatalité. Donc, si jamais je vois un événement qui est pas toi, qui est pas ouf, je peux le remettre D'accord. au-dessus. Ok. Et l'autre, il fait quoi déjà? Le 3, il dit quand il est défaussé dans une action éliminée un héros, vous pouvez effectuer une autre action éliminée un héros. Est-ce que c'est bien? Je crois que je préfère prévenir pour l'instant. Donc, je vais mettre ici. Ça m'a coûté 2. Est-ce que j'ai dépensé mes deux? Je suis pas certain. Donc je vais le faire. Ensuite, je vais faire pour 1. Ils l'auront voulu. Effectuer une action disponible sur un lieu où se trouve au moins un allié, sauf une action fatalité. Donc je vais pouvoir refaire ça. D'accord. Parce que là, il faut vraiment. J'ai qu'un seul play actuellement. C'est de creuser pour avoir Creuse, un. creuse. Pour avoir une. Vite avant que l'hyène ne vienne. Comment ça s'appelle? Creuse. Interrogatoire. Creuse un tunnel. Tu creuses un tunnel? Je creuse. Ça, 1, c'est pour Malfoy et Hugo. 2, 3, On 4, creuse dans ce deck. 5. Eh bien, je n'ai rien. Je vais me mettre quelque chose parce que sinon, du coup, j'aurai une main qui n'a rien. Donc, je vais me mettre. Bon, je vais passer un allié à n'importe quel lieu non bloqué. Je prépare mon coup suivant, mais vous allez voir, c'est pas fameux, hein. Je vais prendre une mitrailleuse et une rencontre avec Cornwall. Et est-ce que je reprends une mitrailleuse pour faire que mes alliés ont plein mes trucs ont plein de choses? Ouais, pourquoi pas. Ok, et donc ça je le remets dans ma défausse. Voilà, donc ça c'est mon deck, je le mélange. Ah non, oh non, c'est dans n'importe quel ordre, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis, bon de toute façon c'est pareil, je vais prendre ça comme ça. Pardon, petit tour en ballon, ça y est, on est remonté. Et je vais du coup. Donc, je vais. Excuse-moi, mais j'ai plein de trucs à faire à chaque fois à mon Bah je tour. vois ça, hein. Me défausser, est-ce que ça aurait un intérêt? L'autre il joue pas beaucoup, hein. Non, je vais pas me défausser, ça sert à rien. Et ils l'auront voulu, tu le ranges? Lui, ils l'auront voulu, il sera dans ma défausse. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû leur mélanger, mais tant pis. J'ai fait deux actions. Je peux décaler et faire l'agent Ross. J'ai un peu envie de le colorier du coup ce tableau, ce truc Faire là. l'agent Ross me permettrait de regagner 3. Voir tous ces petits symboles, ça me donne envie de colorier. En fait, il faudrait que je refasse ça. Je suis con. Bah vas-y, faut faire un choix. Ouais, je vais faire ça. Je vais le décaler. Je vais le décaler ici. Heureusement que mes tours sont rapides, hein. Ah, c'est ça. Et du coup, je vais faire ce truc-là. Ok. C'est un allié qui dit, s'il se trouve dans le royaume, la force d'Abigail Roberts augmente de 2. Ok. Non, pardon. C'est si John Marston se trouve dans le royaume, Il n'est pas là. la force de lui-même augmente de 2. D'accord. Je vais le mettre ici.
Ok. Et du coup, je vais pouvoir faire cette action-là encore une fois. Encore? Je l'ai fait grâce à une carte et je le refais grâce à mon mec. Ok. En espérant à chaque Si fois tu le dis. choper 2, 3, 4, allez, 5. Tu cherches un interrogatoire? Ça va consister en ça, le jeu. Mais le mien, il consiste en pire. Je vais mettre une rencontre en dessous, ça me permettra d'avoir des thunes. Ceci dit, maintenant les thunes, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir. Vous allez voir, moi je vais jouer très vite. Je vais prendre un vous mourrez tous, ça me permettra de refaire une Tu action. dois forcément mettre le héros sur le lieu de Ross. Ah mince. Excuse-moi. Vas-y, joue. Bon, moi je vais là, je défausse tout, je te fais une fatale à toi. Alors, rédemption ratée ou Mika. Il y a Micah Bell qui n'a aucune capacité. Alors celui-là, il a. L'agent Milton révèle sa main, vous pouvez défausser une carte parmi celles révélées. Alors ça, ça t'enlève un interrogatoire, ça. Hein. Non, parce que si j'avais un interrogatoire, je l'aurais joué. Ah oui, excusez-la. Micah Bell, ici. Alors, j'avais la mitrailleuse. Non, je le fais pas. Je te mets Micah. D'accord. Vas-y. À moi de jouer. Je vais ici. Je vais commencer donc, de toute façon, ça va être vraiment le but du jeu là, par faire Attends, cette à ton action. Tour, je te fais une autre fata. Parce que j'ai plein de thunes. Parce que t'as 6 tunas. John Marston, tiens. Abigail Roberts. Il augmente de 2 celui-là. Ouais. Et elle aussi, alors du coup. Oui. Ah, ils se kiffent tous les deux. À mon avis, il se passe ouais, des trucs il y a entre eux. Choses. Ah, à mon avis. Tiens, voilà, ici. Là, tu vas avoir du mal à enlever tout ça, hein. L'avantage, c'est qu'en fait, j'ai à chaque fois 3 trucs, donc c'est pas grave. Ce qui me bloque, c'est le fait qu'il me faut de la chance. Parce qu'après, tu les élimines vite, les héros. Ouais, non, c'est chaud. Donc, 1, 2. 3. Salut, 4. Salut Swalot. Ah oui, c'est un agent. C'est un deck fan-made par Sohan qui est là dans le chat. J'ai 2 interrogatoires. Donc je vais évidemment les mettre en dessous de mon deck. Et je compense la longueur des tours avec des tours très tours chez moi. Très courts. Et j'arrive pas à parler. Hein. C'est ça, c'est la nouvelle année, ça. Je vais donc Elle mettre mes interrogatoires là-dessus. 2020 bon. M'a complètement ça, cassé. Ici. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que je peux voir? Ce soir, je vais refaire une petite dinde, mais un petit une dindette, quoi. T'es content? Je suis content, je suis juste concentré, mais je suis très content. La société d'un allié, ça force mon dos, et puis vous bien du lieu de cet allié vers un lieu voisin non bloqué. Donc en fait, je me fais niquer. Ce sera une dindine, quoi. Par tous les bords. Je vais. T'as aimé ça? T'es bien? Ça va. On se lève tous pour dindette. Qu'est-ce que ça fait déjà? Je peux faire un truc que j'ai déjà fait sur cette. En fait, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout, donc je vais pas refaire de carte fatalité. J'ai fait une action. Non, j'ai pas fait d'action, donc il faut que j'en fasse une. Je vais faire Alors, apparemment, sur le premier interrogatoire, t'aurais pu vider ta défausse avant de le jouer. Sur le premier que t'as fait. Mais de toute façon, il apprend le deck. Hein. Gagner un jeton de pouvoir. En fait, en vrai, ça m'aurait rajouté un peu plus de chance, mais ça n'aurait pas. Oui. Gagner un jeton de pouvoir plus 1 par héros sur emplacement sur l'héros éliminé. Ah oui. Donc 1, c'est tout. Parce que j'ai rien ici. D'accord. Ah oui. Ça va dans ma défausse. Je gagne 1. C'est à moi, je vais peut-être. Et je te fais une fatalité. Oh non! Bah écoute, c'est sur ma case. Il y en a trop dans ce pack. Ah, une apparence retrouvée. Mais je crois que c'est pas maintenant qu'il faut chercher Ariel. Si vous jouez max sur le. Non, mais de toute façon, c'est dans la défausse. Ariel, elle est pas sortie encore. Oh, bah très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous jouez max sur le lieu où se trouve Ursula, vous pouvez déplacer sa figurine vers n'importe quel lieu non bloqué. Ça m'arrange presque. Ouais, ça t'arrange, ouais, non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Là, ça veut dire qu'il y a toutes les merdes qui vont arriver, là. Un peu trop de fatin, hein, si je peux me permettre. Je vais mettre juste Max ici. Voilà. Ah, what? Tu peux... À moi. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Pourquoi j'ai que 3 cartes? Ah oui, parce que j'ai fait une illusion. Ça va, c'est pour ça. Bon, moi, tout coûte plus cher à cause de Triton, donc c'est un peu relou. C'est un peu relou. Ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais gagner 3. Du coup, je prends que 1 parce que pour 2, je fais un tourbillon qui va déplacer Max. Je vais tout défausser. À toi. C'est quoi, hein? À moi. Je vais aller ici. Je vais tuer l'agent. Alors. Est-ce que là je peux mettre des héros?
Est-ce que je peux mettre directement là, si je tue un Faut de pas que ces tu héros, déloques ton camp de la sur héros bande. éliminé, justement, je sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que dès le début, je peux foutre mes héros? Oui, tu... Non, mais en fait, t'as déjà débloqué parce que t'avais réussi un interrogatoire. Non, Ah non, tu l'avais j'ai pas raté. réussi. Tu avais raté ses interrogatoires. Oui, tu peux. Je peux? Très Oui. bien. C'est le Enfin, chef qui ça. l'a Afin dit. de pouvoir éliminer machin, vous devez obligatoirement débloquer. Non, ça, c'est pas ça. Bon, si c'est le chef qui l'a dit, je vais pas vérifier sur sa FAQ. Donc, du coup, ça veut dire que oui, en fait, je peux commencer à tuer des héros assez vite. Bah, écoute, je vais y Mais il aller. a toujours fait des tours de 1000 ans. Moi, je fais toujours des tours rapides et lui, il fait Ah toujours non, des je peux tours qui durent 1000 ans. pas. Je ne peux pas pour plein de raisons. Je ne peux pas pour plein de J'ai mon raisons. petit peignoir là qui dort qui me tient bien chaud. Ariel, elle a un peu froid hein, dans la cave là. On peut déplacer un héros du lieu de cet allié vers le voisin non Prends bloqué. ton temps. J'ai ça à ma petite fille quand elle essaie de nous parler au téléphone. Elle fait maman, maman, alors. Et je dis prends ton Je vais temps. mettre un fusil Réfléchis à ce ici que tu veux dire avant. pour qu'il ait 4 de force. Et je vais tout défausser. Attends, je réfléchis. J'ai forcément deux trucs ici, ça sert à rien de tout défausser. Je vais juste défausser une mitrailleuse. Je défausse une mitrailleuse et du coup je ne fais pas d'action. Voilà, j'ai juste à aller là pour défausser en fait. D'accord. Pour moi, je prends pas de fatalité. Tu prends pas de fatalité. Est-ce que je fais l'agent? Non, je n'ai pas envie. Non, du coup je vais prendre deux cartes. Et c'est à toi de jouer. Moi, je vous le cache pas, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Je viens ici. Je défausse ça. Ça. Presque envie de défausser ça, en vrai. Je vais tout défausser, moi. Je te fais fata. Ah, tu vas devoir les éliminer, tous ces héros, hein. De toute façon. De toute façon, le temps que moi j'y arrive, hein. T'as un allié qui a une force de 2 ou moins? Cet agent de la Pinkerton? Bah, vas-y, enlève-le. Je le mets dans ma défense, c'est ça? Oui. Défausser un allié. Et c'est à toi! Ok. En vrai, j'aurais peut-être pu sacrifier l'agent Ross tout à l'heure. Tant pis, je le ferai plus tard. Donc, ensuite, alors moi je vais essayer de faire ça. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Vas-y. Je vais commencer par aller ici. Mets toutes les chances de ton côté. Et là, je vais faire un agent Ross. Tu peux ouais, t'aurais pu déplacer un truc avec le fusil, apparemment. Non, parce que oui, mais je déplaçais un mec Ah oui, ici, c'est ça, ailleurs, et c'est ça ne ça. m'intéressait pas. D'accord. Là, du coup, je vais faire avec agent Ross, donc je vais faire sa capa. Arthur Morgan, l'action renforcement coûte 2 jetons de pouvoir. Merde. Après ceci, je suis peut-être une, Tu as donc beaucoup en vrai, d'argent. je m'en fous un peu. Donc lui, je vais le mettre ici. Peu importe. Soit là, ah, il me dit Non, par pas là. curiosité, Tarsa, Ici. tu avais retesté Edgar ou Otto, ou tu es resté en froid avec eux. Non, je n'ai juste pas du tout retrouvé le temps de tester ces decks. Mais Edgar, j'aimais bien, mais c'est pas moi qui l'avais joué, je crois. Et Otto, tu l'avais retesté, je crois que tu avais dit que c'était ok, Ouais, c'est mais OK, autant. c'était quand même très long. C'était quand même très long. Je vais faire Je le. reprendrai le temps de faire tout ça, et surtout, eh bien, Wanderoo qui reviendra et on fera des decks fan-made ensemble. Je vais faire donc cette capacité qui, à cause de lui, me coûte 2 de plus. Excuse-moi. J'étais où? J'étais là. Ma figurine est tombée, j'ai Donc, perdu. du coup, je défausse. Je vais. Mais c'est bizarre, c'est qu'il me semblait que. Je suis revenue là. Terminé? Ok. Bah, moi, je fais des tours de 2 secondes. Hein. Donc, tour d'avant, j'étais là, je suis revenue là. Ok. Je vais donc faire le truc de l'agent Ross Ah oui, tu crois que t'es encore au tour d'avant? Non, j'ai fait 2 tours depuis. qui va me permettre de faire ce truc-là. Donc, du coup, pour mettre toutes les chances de mon côté, Vas-y. je vais prendre 3 cartes. Bah non. Déjà, Putain, mets toutes les c'est au chances de ton hasard. côté, divorce pas parce que j'ai pas fait des cupcakes. Ça me saoule, oui. Sinon, tu retrouveras jamais personne. C'est moi. Je rigole, bien sûr. Attends, Ah je ouais. rigole. Ah Je vais pas ouais, du tout je vais être te le mère d'une prouver. fille. J'ai vu, tu reçois, et il reçoit des DM sur Insta. Des meufs qui font coucou. Ah oui, sur Insta. Eh. Et bon faux compte. Non, il y avait une, elle avait l'air normale. C'est vrai? Ah, Coucou. ça peut T'as pas regardé m'intéresser. ça? Non. Je regarde pas mes trucs Insta. Coucou. Je vais du coup mettre les deux ambitions qui coûtent 0, plus l'interrogatoire en dessous de mon deck. Je vais prendre l'agent. Donc ces deux agents que j'ai remis ici. Donc Bienvenue ça Lilou va Games, en merci dessous de pour mon ton deck. follow. Et là, normalement, si quand même la probabilité est avec moi, en faisant cet interrogatoire de Allez, 2, tu vas le alors déjà j'ai réussir. pas gagné 3, donc ce que je vais faire, c'est que je vais Je gagner sens que tu vas le juste 1 réussir. pour pouvoir faire. Je crois que j'ai pas gagné 3. Bon. Je vais faire l'interrogatoire pour pouvoir donc interroger Mikabel qui a l'avantage de coûter que 2. D'accord. Je mélange. Et je révèle donc deux cartes qui vont me permettre peut-être de l'interroger. Attention, il faut que ce soit supérieur. 1.
Donc là, il faut que j'ai deux ou plus. Ok. Sinon, je n'interroge pas. Très bien. Eh bien, l'interrogatoire a échoué, encore une fois. Donc, du coup, eh bien, ce sera, je crois, la fin de mon C'est à tour. Je moi? réfléchis juste. J'ai fait une action. J'ai À moi, décalé. à moi. Non, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Autant rester là-dessus. À toi de jouer. À moi de jouer. Ah, je viens ici, je gagne 3. Moi, je suis pauvre comme jamais. Je suis pauvre comme Jaja. 3. Du coup, comme tout me coûte plus cher à cause de ce gros triton, je vais faire une divination pour 2. Dévoilez les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un pacte. Ajoutez-le à votre main. Il va bien finir par venir, ce con-là. Oh putain. Mais il est où? Il existe? Ah bah oui, il existe, évidemment. Pourquoi j'ai cru que ça pouvait être autrement? Que le pacte que je cherche est le dernier de mon deck. C'est toujours comme ça avec moi. Je sais pas pourquoi j'ai cru autre chose. Excusez-la, elle a cru qu'un jour elle aurait de la chance. Mais non. Je peux défausser ceci étant dit, bah je vais défausser cet imbécile de pacte. Ceci, voilà. À toi. Je le Alors. pioche même pas. Alors attends, est-ce que je défausse une carte de plus pour le piocher, ce con-là? J'ai besoin de cette carte, moi. Vas-y, je défausse tout. Trop relou. Crétin. Crétinus pactus. Ah ouais? De l'ancien français. Oh, vas-y, oui, bien sûr, c'est à toi. Je viens ici. Je vais mettre toutes les chances de mon côté en prenant 5 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4, 5. Tu cherches un interrogatoire? Non, je cherche à mettre un maximum de Ah cartes, oui. peut-être pas chères, sous ma défausse, Ah de oui. façon à résoudre un Mmh. interrogatoire. Interrogatoire que je vais tenter tout de suite. Le roi Triton, il... Non, non, attends, le roi Triton, il n'augmente pas le coût de ce qui le vise. Ah si, c'est ciblant le roi Triton. Ah, j'ai plein de thunes depuis tout à l'heure. C'est les pactes et événements ciblant le roi Triton qui coûtent plus cher. Donc en fait, ça fait 2 fois que je fais des événements, j'ai la thune pour faire autre chose en fait. C'est sûr, là j'ai au moins 2 ou 3 pièces de plus. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, tous mes événements, je les paye plus cher depuis tout à l'heure, mais ils ciblent pas le roi Triton. Ah, tu pensais que tous les événements Ouais, avaient... de Ah oui, d'accord, ouf. Ben effectivement. j'arrête pas de le dire, hein. Ah oui, moi je suis concentré sur mon jeu, c'est Je déjà... sais, t'inquiète pas. Ben, est-ce que je peux récupérer de la thune alors? Vas-y, récupérer. Parce que j'en ai sur cette divination. Allez, je retente un interrogatoire. Tu veux voir mon fail en plein live? J'en ai sur un tourbillon, c'est sûr. Je tente un interrogatoire sur celui qui a 3. J'ai Donc il fait faut que deux j'ai 4. tourbillons. Ouais, vas-y. Je vais reprendre 2 pièces parce que c'est sûr que c'est sur ces 2 pièces que j'ai Mais pour payé. le coup, tourbillon, tu cibles. Mais j'ai pas ciblé Triton. C'était sur Ah, d'accord. Max. J'ai fait un sur lui, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un tourbillon max et il y a eu là un truc de révélé. Donc j'ai repris mes 2 pièces. Merci, Swalot, hein. Deux. Ah. Je suis à l'ouest. Il me faut deux ou plus et c'est bon, j'interroge. L'ouest, c'est à gauche, je rappelle. T'es Ah, content? ça y est, on avance. Donc, Ah, il est content. Voilà un qui est content. j'ai réussi à faire un interrogatoire sur quelque chose qui avait 3 avec un truc D'accord. qui avait 4. D'accord. D'accord? Du coup, que se passe-t-il? Je débloque le camp de la bande. De toute façon, il me faut 1 milliard de thunes pour mettre un truc sur Triton. Enfin, laisse tomber, De quoi. plus, je peux immédiatement placer ce héros dans la défausse de carte fatalité, donc je ne peux pas le mettre là. Mais je peux mettre T'as lui. éliminé un mec? Oui. Ah, je peux. Alors, j'ai 2 arrogances. Mais c'est quoi sa force? Je n'élimine pas le mec techniquement. Il y avait une force de 3. Il est pas éliminé. Bon, ça marchait pas alors. Enfin, je le place dans la défausse. Depuis tout à l'heure, je perds de la thune sur ce triton et personne ne me dit rien. Merci, Swalot. Donc, l'interrogatoire et l'agent, ça Je croyais va qu'ils faisaient écouter revenir les ici. événements plus chers. Je l'ai confondu, je pense, avec le roi Richard de Prince Jean. Voilà, et donc maintenant que j'ai débloqué ça, Il est concentré, c'est pour ça qu'il me répond pas. oui, bah oui, je suis désolé, je vais du coup là passer mon temps à dézinguer des gars. Alors, tu l'interroges. Vas-y, fais l'interrogatoire. Non, je viens de le faire. Ah, d'accord. Bah, Swan, il dit tu l'interroges. J'ai bien réussi. D'accord, bravo. Non, réussir, j'ai. Je vais faire une carte, une fatalité. Eh bah C'est quoi? Je te fais évidemment. pas de fatalité. Mais À tu toi. peux le faire, vas-y. Oui, mais je préfère ne pas le faire. Mais je t'en prie, vas-y. De toute façon, je vais jamais gagner, donc Ouais, vas-y. justement, je préfère pas le faire. À toi. Vas-y. Bon, alors, moi j'ai pas d'argent, c'est simple. Je te propose, comme les jeux de jeu sont longs, J'ai pas d'argent. on ne fait plus de fatalité. Bah si, moi je vais. Si, si, je t'en fais. Non, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse à part défausser? J'ai pas d'argent. Ça me fait coûter. Tout est hyper cher en fait à cause de ce truc-là. Mon pacte, il me coûte 5, 6. Il coûte 6, je les ai même pas. Si je voulais tout faire dans le même tour, il me faut 10 tunas, 12 tunas, 13, il me faut 13 tunas. C'est super dur, quoi. Qu'est-ce que je cherche là en plus en vrai? Je
t'avoue, là, je sais pas trop quoi faire, hein. Bah, vas-y, je prends un risque, hein. T'as dit qu'on faisait plus de fata. Allez, je gagne 1. Du coup, je joue un pacte qui coûte 2, qui coûte 3 de plus avec Lazir Gouflex, qui coûte 1 de plus avec Triton. Obligé d'aller là. Donc, je mets un pacte sur Triton. Voilà. Non, il est là. Donc, attends. Triton, il est pacté avec Bigette, avec Trident. Voilà. Et ensuite, je peux pas défausser. J'ai plus de thunes. C'est à toi. Je viens ici, je gagne 3. Pour 2, je joue une mitrailleuse Maxime. Mitrailleuse Maxime. Qui va me permettre, donc je gagne 1 en tout. Fait gagner au lieu l'action se battre. L'action se battre, exactement. Et je vais. Salut Aurélien, bon réveillon. À très bientôt. Je vais commencer par faire un. Ah oui, mais non, du coup, je suis con, je fais ça, c'est pas un interrogatoire. Je peux décaler un allié, mais c'est un peu con de le décaler alors qu'il coûte. Qu'il a 4. J'ai un agent en main. C'est une bêtise. Faut faire ça. Pour 2, je vais refaire un interrogatoire. Donc j'ai déjà payé mes 2. Mm-hmm. Alors, interrogatoire, je. Oh, c'est ouf, c'est la carte. C'est la carte défauts, que je voulais, je l'ai pioché. Techniquement, il n'est pas dans ma défausse, interrogatoire, quand je le fais. Mm. Je le fais contre Mikabel. Il me faut 2 ou plus. Non, il faut 3 ou plus. 2. Ah ouais, 1 ou plus, et j'ai gagné. Enfin, j'ai pas gagné. 0. A priori, le malheur des autres te fait plaisir. Je vais ensuite. Il n'a pas idée. Du coup, mettre ça dans ma défausse. Est-ce que je fais un coup d'agent rose? J'ai déjà tellement d'aller dans la gueule. En vrai, ouais, je vais refaire un coup d'agent rose parce qu'il y a quand même des chances que j'ai de l'événement. Putain. Oh là 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 là, la force de tous les autres héros des Charles Smith, tous les autres héros ont 1 de plus en force. Pour ça, moi, ce que je veux, c'est pour 0 avoir ce truc-là. Non, je vais le mettre là, c'est con. Je vais le mettre ici. Du coup, j'ai une question. Est-ce que Swalot, c'était toujours là, est-ce que les âmes en perdition qui disent déplacer chaque héros ciblent le roi Triton? En faisant l'action de lui. Ça cible Triton? Répète. Les âmes en perdition, tu sais, la teucar qui dit déplacer. Elle m'a dit que ça ciblerait pas, mais là, je sais pas. Ça dit déplacer chaque héros. Est-ce que ça cible Triton? Et du coup, il coûte plus cher? Ou est-ce que ça englobe tout le monde et auquel cas, il coûte pas plus cher? Je peux te répondre pour Magic parce que je sais que cibler c'est pas comme prendre tout le monde. Ok, ok, mais, ok, ok. Mais là en vrai dans ce jeu là, à partir du moment où tu l'as touché il Triton. Il fait partie ouais du truc. C'est à moi ? Vas-y. Bon, moi je me mets là, je gagne 3. Faut de la thune moi. 1, 2, 3. Je vais défausser ça et ça. Et je vais rien jouer, vas-y. J'ai repris plein de cartes. 2 cartes. Ok, à moi de jouer. Ah bah non, à ton tour j'ai fait ça. Cette carte est jouée pendant le tour adversaire s'il gagne au moins 3 jetons en pouvoir, c'est mon autre condition. Vas-y. Je peux jouer un allié de ma main gratuitement. Vas-y. Ce qui me va très bien, je vais pouvoir mettre lui ici. Voilà, ça c'est l'ambition que j'ai faite. Ensuite, pourquoi j'avais 3 cartes? Ah, t'as fait une... Non, parce que t'as fait une ambition. Oui, mais du coup j'en ai que 2 là. Ah, t'as pas fait une autre. Bah parce que t'as si, joué parce que l'agent joué avec l'agent. Une carton. Pardon. Donc ça c'est bon. Il est concentré. Ensuite, je vais aller sur cette case là et commencer à désinguer des gars. Donc je vais ici. Voilà, c'est le moment où je vais pouvoir désinguer des gars comme je le disais. Je vais ici. Je vais donc pouvoir se battre Mikabel contre l'agent de Pinkerton. Quand lui, il est défaussé pour une action éliminée héros. Mais là, peux... il a 3 Mikabel. Hein. Pourquoi? Parce que t'as mis un mec qui dit la force de tous les autres héros augmente de 1. Charles Smith. Je vais zapper cette connerie. Et heureusement que moi, je suis 1. C'est un peu long, c'est un peu laborieux. Hein. Et là, tu sais quoi, c'est pas là. Il y a beaucoup d'héros en fait. Je vais commencer par, au lieu de faire ça, je vais faire ce truc-là. L'agent Ross qui va tuer Charles Smith. Ok. Donc lui, il est retiré du jeu. D'accord. Mais je crois que je pioche. Puis vous pouvez jouer une carte de votre main gratuitement. Ah hein, oui, carrément. Pas mal. Je vais faire...
Vous m'aurez tous déplacé un allié vers n'importe quel lieu non bloqué. Sa force augmente de 2 jusqu'à la fin du tour. Oui, mais non, Ok. ça sert à rien puisque je peux pas réattaquer. Ça ne sert à rien puisque je ne peux pas réattaquer. Donc je la ferme, je fais rien. Ok. Je vais donc j'ai tué ce truc-là qui va pouvoir aller dans mes héros éliminés. D'accord. Voilà. Je peux me défausser, mais là, voilà, si je me défausse, j'aurai plus de cartes. J'ai joué une carte, à toi. Non, je vais pas jouer de carte. Mais j'en ai pas d'intérêt. Vas-y à toi. Ben moi, je vais venir là. Pff, ça m'intéresse pas. Bah, si je viens là, je gagne 1. Oh, c'est chiant, ça marche pas du coup. Bah. Je réfléchis. Hein. J'ai envie de défausser un truc, tu vois. Je vais pas gagner 1. Je vais venir là. Je te fais pas de fatalité. Gentil. Et je défausse 2, vas-y. On fait de fatalité pour que ça tourne plus vite, hein, simplement. Sinon, Que là, on s'en sort pas. évidemment. Je vais ici, je gagne 3. Bon, après, ceci dit, si moi je te fais plus de fatalité, vu que toi, ton principe c'est d'avoir des héros, il suffit que tu les. En fait, mon temps est compté, quoi. Parce qu'à Moi partir du aussi, mon temps moment est où tu. compté. Bah, pas trop, moi je trouve. Bah, à partir du moment où t'auras trouvé ton autre truc et que tu mettras ça là, t'as gagné. Un autre tour, tu gagnes, toi. D'accord. Je vais faire mitrailleuse pour pouvoir donc tuer avec l'agent Mikabel. Donc je tue Mikabel qui vient ici. L'agent est mort. Et comme du coup je l'ai tué, je peux effectuer une action, éliminer un héros. Donc je refais ça avec cette fois-ci lui contre. Ah oui, mais lui il a 3. Moi, je voudrais savoir si les âmes au perdition coûtent plus cher. Parce que est-ce qu'elle cible ou pas le roi Triton? Je vais chercher. Ce que ça dit. Ok. Je vais. Avant de faire ça, j'aurais fait à bout de force qui m'aurait permis que tous les héros de mon royaume. La force des héros de tout mon royaume est réduite de 1. Ok. Du coup, ça me permet là maintenant de casser pour 4 ce truc-là qui a 4 mais qui dit que la force de tous les alliés qui sont sur le lieu sont réduits de 1. Donc Ok. en fait, j'arrive à le tuer lui. Donc ça dégage. Ça dégage. Alors, je cherche. Il me reste du coup une Cruel Fortunate action, Souls. une Est-ce défausse. qu'elle cible le triton, cette carte? Je vais mettre ça ici. Comment je trouve ça? Alors, quel est War votre 2. avis dans le chat? Est-ce que je décale? Non, à toi de jouer. Est-ce qu'on dit que ça cible ou pas Triton? Mais du coup, là, si je te mets en échec, tu vas me faire une fata. L'allié à 4, il te dit. De quoi? Il te dit l'allié à 4. En fait, l'allié a 4. Je sais plus où il est là. Mon gars, il avait 4. Oui. Il est où, putain? Voilà. Mon gars, il avait 2 à la base. Il avait un fusil et il avait un autre fusil. Il avait 2 fusils, je crois. Ok. Donc il avait 4 à la base. L'ennemi en question. Où est-ce que j'ai foutu? Ah, il est là. Il disait que la force de tous les alliés qui se trouvent sur le lieu de machin est réduite de 1. D'accord. Donc il avait 3. D'accord. Donc j'ai utilisé une carte qui permettait de retirer 1 à tous les Très alliés. bien, moi ça me va. À Non, tous moi ça me les va, héros. je disais juste que tu Donc, avais dit ça. vas-y. Il dit À oui, toi de my jouer. bad. Elle cible tout le monde, donc Triton. Donc je suppose que ça marche. Bon, mais du coup, si je te mets en échec, tu vas me faire une fata alors? Ou on se fait pas de fata? Bah vas-y, joue. De toute Bon, bah je vais là, je façon, gagne genre. 1 à toi. Quoi? Je sais pas, est-ce que si tu veux que ça s'arrête maintenant, oui, je te Mais fais pas de non, fata. c'est juste à dire, on se fait plus de fatalité. Oui. Mais c'est sûr que moi, au prochain tour, du coup, je vais gagner en fait. Du coup, à force d'avoir attendu d'amasser de la thune. Mais on s'est pas fait de fata jusque-là. Donc si tu commences à me sortir la mort juste au moment où je gagne, j'aurais pas joué pareil. Mais vas-y. Moi, de toute façon, ça m'est égal, je veux qu'on montre le deck de Swan. Vas-y, go. J'ai perdu du temps parce que je vais considérer que donc les Poor Unfortunate Souls, elles coûtent un de plus.
Sinon, j'aurais fait mon petit plan à ce tour-ci. Je vais ici, je fais ce truc-là qui me coûte 2. D'accord. Faut que je me refasse une bibliothèque. Fait. Ça ramène quand même beaucoup d'aléatoires, hein, ce Bah, système-là. c'est très aléatoire et surtout quand t'as plein d'héros, comment tu fais? Parce que là, moi, j'aurais pu encore continuer à te faire des trucs. Ouais. Après, comme il dit, il reste plus qu'un héros dans le délire, mais moi, j'aurais remélangé la défausse. Non, parce que en fait, les héros, quand je les tue, je les mets là, c'est pour ça. Oui, mais là, il en reste. Il en reste quelques-uns. Il en reste, hein. Il y a Lenny. Il en reste deux. Il en reste deux, des héros. Je vais mettre des agents et un bout de force, ça me paraît pas mal. Donc je mets ça comme ça. Je remélange ça. Je n'ai pas d'alliés, je n'ai pas d'alliés. J'ai pas d'ambition. Il y a marqué dessus. À toi de jouer. Je vais là. Je gagne 3. Je gagne 3. Pour 4, je me couronne. Ici. De quoi je vais te laisser jouer? Non, mais vas-y, après, moi je jouerai Je vais avec. laisser jouer comme ça. Je vais... En fait, je vais faire mieux. Je vais chercher une métamorphose. Comme ça, je serai sûre que c'est loqué et tout. Non, vas-y, vas-y, Bon, je fais. joue une couronne ici. Pour 3, du coup, je joue des âmes en perdition. Je vais déplacer chaque héros vers un lieu voisin non bloqué. Donc, comme Triton arrive, son pacte saute. Triton est éliminé. Trident descend. Et du coup, il Tac. faut quand même que ce soit à la fin. Enfin, genre, peu Avec importe. Bigette. Donc, c'est comme ça. Et voilà, et à toi. On va jouer. Donc, tu viens faire une Fata. Je vais. Non, non, mais je vais Fais-moi rien une faire. Fata. Fais-moi une Fata. On est là Non! pour montrer le deck de Swan, complètement. Ah, mais d'ailleurs, attends, parce que ça, je l'ai fait à mon tour, c'est-à-dire que j'aurais dû piocher la première carte. Donc, en fait, je me retrouve avec mes deux objets dans le repère. Donc, à mon début de mon prochain tour, j'ai gagné. Fais-moi une petite fatalité, bébé, Mais bien je n'ai placée, pas là. envie, là, j'ai envie de conclure sur ce deck. Bah, tu veux que je te dise Et un fin du truc? buzz. Ça faisait rien. Bah, très bien. J'aurais mis un agent ici, je pense. Pour 2, mais Ok. j'aurais gagné 3, donc du coup j'aurais ça de plus. Et là Ok. derrière, j'ai que des trucs qui ne me servent pas. Ok. À toi de jouer. Oh! Bah, je fais rien. Vas-y, finis ton petit deck, moi. Je veux voir Non, comment ça je finis pas marche. parce que c'est trop long. C'est trop long en vrai. Mais en Swan. plus, sur celui-là, il est déjà très long. Il est déjà très long Non, sur mais en celui-là, hein. fait, ce jeu-là peut aller très vite avec beaucoup de chance. Avec beaucoup de C'est-à-dire chance. que si jamais tu arrives à avoir. Alors, dans le cas idéal. Ok. Tu récupères, genre lui, qui est trop bien pour toi parce qu'il est où il te fait rien et en plus il coûte que 2. Enfin, il a que D'accord. 2 de force. D'accord. Et tu fais, dès le début, mettons que tu l'as déjà en main, un interrogatoire qui se Ok. passe bien. D'accord? Une fois que ça s'est fait, en fait, il te reste plus que, techniquement, que lui à tuer. D'accord. D'accord? Et en plus, celui-là est déloqué. Et oui, du coup, tu l'as jamais tué ce truc-là. Mais en fait, c'est optionnel de le tuer. Ah bah non, pas tellement, parce que T'as pas le tu choix veux. Bah oui, puisque à la tu veux terme, tu enfin, veux qu'il n'y ait plus rien. Ouais. voilà. Et une fois, en fait, que t'as tué ce mec-là. En fait, ça va vraiment dépendre si l'autre te fait des fatalités ou pas. Ok. S'il te fait des fatalités qui commencent à te pop des mecs, c'est un peu pénible. Parce qu'effectivement, tu nous as mis dans ce deck-là que des gars qui coûtent 2 et qui ont 2 de force, donc c'est pas très fort, par D'accord. rapport aux autres, si tu veux. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, t'as un jeu qui peut paraître au début un peu cheaté parce que t'as 5 actions C'est de chaque vrai. côté, parce que t'as un mec en plus qui va te rajouter des actions en plus. Tu vois, sur un même tour, j'aurais pu gagner 6, Grave, etc., grave. etc., etc. Oui, c'est fort ça. Mais le principe de dire tu dois éliminer, donc. De devoir éliminer tous les alliés pour gagner, c'est malheureusement un peu complexe, ça va Ben c'est beaucoup très long dépendre parce que du du coup deck tu t'en adverse. prends plein. Alors certes, au bout d'un moment tu finis par les mettre là, donc il n'y en a plus, mais c'est quand même très très long. C'est voilà. Il faudra peut-être Faudrait enlever peut-être enlever quelques quelques héros, héros. je ne te le cache pas. Salut Brutal, bon réveillon à toi En tout aussi. cas, voilà, c'était sympa à voir. Je trouve que ce système de dire tu commences avec 10 cartes, avec 20 cartes, machin, quand j'ai lu le truc, je me disais, ah, théoriquement, ça paraît Oui, c'est intéressant sympa quand il y a des mécaniques de qui changer sortent un un petit peu. peu voilà de l'ordinaire. C'est original. Maintenant, peut-être que Peut-être qu'il y a trop de héros. il y a trop de héros et trop de RNG, en fait. C'est-à-dire que tes contrats, quand tu vas les faire, Tes contrats, tes tes interrogatoires. interrogatoires, de ce que j'ai compris, le seul truc qui peut te permettre éventuellement de gérer un peu la chance, de gérer un peu tes probas, c'est de foutre des trucs à zéro en dessous de ton deck, enfin donc Ouais, sur parce ton que deck. comme Mais du ça. coup, ça va t'enlever des possibilités peut-être de faire d'autres interrogatoires, Ok. puisque les cartes à zéro sont forcément pas très intéressantes, donc t'as pas envie de mettre des conditions qui servent pas trop, des trucs comme ça. Et l'autre truc, ça va être, t'as un truc qui te permet de baisser. Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui te permet de baisser la force des alliés. Des Ouais. héros, je vais y arriver. Donc du coup, ça te permet de pouvoir faire des contrats moins Les forts. plus oui, d'accord. Mais je pense que ça manque peut-être aussi Des d'objets interrogatoires. que tu pourrais attacher
aux héros pour pouvoir baisser leur force et donc plus facilement gérer leur contrat. Genre, tu vois un truc qui alors serait. Peut-être pas tout, du coup. Si tu mets moins de héros, peut-être pas forcément des objets qui baissent. Enfin, tu vois, si jamais Swan, tu voulais apporter des petites modifications, mais Rof, il sera ravi de t'en parler sur le Discord, sur lequel vous pouvez nous rejoindre, parce qu'on parle de, bah, de tous ces jeux-là et de tout ce qu'on fait. Et il y avait eu un salon qui était réservé au deck de Rof. Ah. Et je sais que Swan l'a retouché. Donc, le deck de Rof, il est en craftage. Et on le rejouera. D'accord. Et du coup, Swan, si tu veux retoucher un petit peu celui-là aussi, ben, eh ben, écoute, comme tu veux, on sera ravis de le rejouer. En tout cas, je salue à chaque fois le temps que ça peut prendre, les idées que ça demande, et voilà, l'ingéniosité un petit peu et l'inventivité de créer un deck. Donc, je vous fais. Enfin, moi, je, vraiment, à chaque fois, on a pu jouer des decks fan-made, même avec Wonder Rook, avec, avec l'autre, là, Adibou. Mon petit Adibou. C'est vrai. On avait joué des fan-made. C'est très facile pour nous de critiquer, entre guillemets, et de dire faudrait plus de ci, faudrait plus de ça, là, il n'y a pas telle case. Et c'est très facile de dire c'est long et d'être. Tu vois, puis nous, on le joue, alors on reçoit. Bah après, nos critiques sont quand même. Mais à chaque fois, voilà, c'est constructif et à chaque fois, c'est indépendant de tout le temps que ça a pu prendre et de, tout, et de l'effort, en fait. Et du coup, bah, après, à votre initiative de le faire aussi tester autour de vous, d'y jouer vous-même, etc., et puis de le retoucher ou pas. En tout cas, nous, on est toujours contents de tester ces decks-là. Et on rejouera ton deck c'était caché, on rejouera l'agent Milton, du coup Swan si tu veux, il dit oui carrément, donc voilà, si tu veux apporter des petites modifications, mais c'est toujours un plaisir en tout cas, voilà, vraiment GG pour toute cette création en tout cas. Perso quand je joue le deck, j'utilise beaucoup plus l'action renforcement pour optimiser ma main, voilà. Le truc c'est que l'action renforcement, alors moi peut-être que toi t'arrives à déloquer ton, ce truc là assez vite, donc du coup tu peux aller dessus, d'ailleurs je me rends compte que sur la fin j'aurais pu aller dessus plus facilement, dans ma tête il était encore pas, mais effectivement ça te permet de prendre ta main une action et deux, donc c'est quand même pas mauvais, mais je disais quoi, déjà ça reste de la chance en fait, c'est-à-dire que le fait de devoir prendre 5 cartes au hasard, alors le fait d'en choisir 3 c'est bien, ça te permet de varier un peu ça, mais la carte que tu veux en fait, peut-être qu'il faudrait dire, tu vas chercher n'importe quelle carte dans ton t'as deck combien et tu de les mets en dessous. Tout 30. 30. Peut-être ça, je ne sais pas. Ou alors, tu prends, je ne sais pas moi, 3 cartes de ton deck et t'en retires une au hasard. Enfin, tu vois si tu vas rajouter de la chance. Mais là, bah, clairement, en tout cas, c'est tu pourras en discuter avec lui sur le Discord et puis vous verrez ensemble. Je sais qu'il accorde beaucoup d'importance aussi à ton avis, donc vous pourrez en reparler ensemble. En tout cas... Après, en vrai, enfin, je ne vais pas en reparler, t'as vu mon ressenti là-dessus. Tout à là-dessus, fait, tout à fait, tout à fait. Mais s'il a des... Voilà, vous pourrez... S'il a des questions ou quoi. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, j'ai trouvé qu'il était très original, que ça tournait quand même bien, que c'était assez sympa. Et moi, ce que j'aime bien dans Villainous, c'est quand le deck est... comment on appelle ça, il est en rapport aussi avec l'histoire, avec les personnages et voilà. Bah là, le fait de pouvoir déglinguer les que mecs, que ce soit roleplay, donc c'est assez t'as les agents de la Pinkerton qui mènent des interrogatoires, si l'interrogatoire est réussi t'arrives à tous, donc je trouve que c'est très très sympa et très original, voilà. Et ça voudrait dire qu'il faudrait lire toutes les cartes tour 1. Ah oui. Alors dans ce cas-là, peut-être que tu fais pas une défausse de 20, mais peut-être une défausse de 15, peut-être la moitié du deck, je sais pas. Et en même temps, en vrai, moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai pris le deck, j'ai lu toutes les cartes. Oui, bah de toute façon, quand on découvre un pack, c'est le cas. Hein. Et puis à côté, bah voilà, j'ai joué Ursula, c'était très sympa de retrouver Ursula, elle fait partie de la première boîte. Donc quand vous achetez Villainous, ce qu'on appelle la boîte verte, nous, vous avez 6 méchants dedans, elle en fait partie. C'est pas le deck le plus facile à piloter et c'est pas le deck le plus rapide et il repose beaucoup sur la chance, effectivement. Alors on n'a pas vu notre chère Ariel parce qu'elle, elle fait un peu des dégâts. Elle arrivait plutôt sur la fin. Mais voilà, le but est de trouver vos deux objets, de les déplacer dans votre repère et de commencer le tour avec la couronne qui vous donne le pouvoir et le trident, évidemment. C'était très sympa de jouer. Mm-hmm. Merci, Rof, d'avoir joué à Villainous. C'était le dernier live de l'année 2020. Ah ouais. On a fini avec Villainous tel qu'on avait commencé cette année de stream. Ça fait maintenant 6 mois que ma chaîne existe et je vous remercie encore. J'en profite tous pour votre soutien, de l'avoir emmenée là où elle est aujourd'hui, de la faire vivre et de la faire grandir. Merci encore à tous les viewers qui ont fait ce cadeau de Noël, de fin d'année. Ça a conclu mon année pour moi en beauté et je trouve que cette activité de stream a beaucoup gommé les petits désagréments qu'on a pu avoir professionnellement avec cette année un petit peu étrange. On vous souhaite à tous un très bon réveillon. Tout à fait. Vraiment, nous on va le passer en amoureux, on va aller faire nos petites courses là tout de suite et je vous ferai 2-3 petites photos comme toujours dans le Discord. Merci encore, voilà, je le fais en 2 minutes, mais aux modérateurs qui font aussi beaucoup vivre la chaîne, qui s'occupent du chat, qui s'occupent de vous, qui s'occupent du Discord, qui font plein de choses et donc merci encore à vous. Et puis voilà, on finit avec la chaudière, c'est magnifique. Parfait. Bon réveillon, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, on se retrouve samedi, et pour tous ceux qui regardent en replay, on vous envoie aussi plein d'amour, voilà, aimez-vous les uns les autres, c'est le message le plus important, et bisous sains, ciao, ciao.